Salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour notre 17e épisode sur Crusader Kings 2, l'héritage de Rome. Et dans le dernier épisode, nous avions avancé dans les Balkans, ce qui nous avait attiré un fort taux de menaces, ainsi que quelques rébellions, vu que les gens n'étaient pas d'accord pour les guerres que nous avons menées. Il nous faut 300 pièces pour supprimer quelques gens mécontents de ce coin-là, en espérant que ça n'éclate pas avant. Celle-ci est une grosse menace, pourquoi Venise ne m'aime pas? Est-ce que je peux te nommer au conseil? Ah mais c'est parce qu'il est même pas catholique en fait. Et le conseil, ça l'amènerait seulement à moins 50. Non? Éduquer un enfant. Non, c'est dommage. Bah du coup, on doit laisser. On va regarder la guerre de Grèce. Ça donne quoi? 96%. La Sicile s'est enfin unifiée. Ils pourront redémarrer leur guerre ici. Rien. Cela, c'est à moi en fait. C'est mes terres. Ici, ça n'est pas en guerre, donc il y a juste la Grèce qui progresse. La Grèce qui grimpe hein, dans le score, qui atteint 98%, donc cette guerre sera bientôt finie, ils vont récupérer cette partie. La paix du royaume arrive bientôt également à son terme, le conseil sera satisfait dans, dans 1 an. Ils sont assez mécontents en général, mais bon, tant pis. Hein. On y est presque pour rien. J'espère qu'en créant le royaume de Croatie, ça permettra aux Croates de se bouger un peu, de déclarer la guerre ici, prendre par-ci par-là. Et voilà, la Grèce a enfin pris son dernier territoire, il me semble. Et voilà, la Grèce est enfin unifiée. Alléluia! Il n'y a plus qu'à attendre ta mort parce que tu es bientôt mort, hein, ça se voit. Les prochaines guerres que nous pourrions mener, ce sera peut-être ici pour reprendre Alexandrie et avoir un port de ce côté-ci. Déclarer une guerre ici pour prendre la côte près de Jérusalem, pour pouvoir ensuite prendre Jérusalem. Nous aurons Rome aussi comme guerre. Une belle guerre contre la papauté. Mais là, personne ne veut, hein, parce que personne n'est content. Nice. Bravo. Mais du coup, on va t'envoyer en Serbie pour convertir les petits monsieur parce qu'ils ont pas l'air très contents. Alors, il n'y en a pas de mieux de toute façon. Voilà, ton objectif c'est de convertir tout le monde. T'as pas le choix, parce que sinon on se fait écraser la face. La Bulgarie a été unifiée. Malheureusement pour nous. Donc en gagnant sa guerre, il a réunifié le royaume, sauf Séverin. Mais il est en guerre contre la Bulgarie pour la reprise du territoire. Et la Bulgarie se révolte ici pour guerre contre la tyrannie du roi. Homosexuel, oh là là, le fait d'être homosexuel ça aide pas beaucoup. Mon fils a 5 ans, donc l'année prochaine on pourra l'éduquer. On ne se chargera pas de son éducation, on laissera un de nos meilleurs soldats le faire parce que quelqu'un qui a de bonnes caractéristiques, parce que nous on n'a pas des bonnes caractéristiques, ce qui entraîne un mécontentement général du peuple.
Voilà, donc ça, les factions qui se forment contre nous. 10%, donc ça diminue lentement. Lentement, mais sûrement. Et à nouveau, un commandant à mettre, donc on va remettre à nouveau le commandant grec. Ce qui augmente son appréciation de 10. Ange complot. Ah ben, je veux. Je veux la fin de tous ces complots, du coup. On a une revendication de jure maintenant ici, vu que ben, la Nathalie a pris Antioche. Et a avancé le chemin vers Antioche. Ici, on se rapproche hein, de la forme finale à l'est. Donc oui, il nous reste tout le sud de la Bulgarie à prendre. Enfin, toute la Bulgarie telle quelle. Les restes de Croatie et de Serbie qui sont là. Par ici. Mettre fin au grand schisme, hein, bah, ça avance. Antioche a été converti, a été prise. Il reste Jérusalem, Alexandrie et Rome. Rome, c'est une prochaine cible. Jérusalem, c'est une cible lointaine, vu qu'elle est quand même bien cachée derrière les terres, à moins qu'il y ait des rébellions dans son empire. Et Alexandrie, c'est quelqu'un, normalement, il a pas mal de troupes. 7000 troupes, donc ça va. Mais nos troupes sont pas énormes, hein, vu que nos alliés, nos empires ne nous aiment pas. Ici, alors, ben, ce sera toi, vu que t'es le seul orthodoxe du coin. Accorder une vice-royauté, royaume de Croatie. Tu m'adores, parfait. Tu veux quelque chose d'autre? Non? Ah ben vas-y. %9 simplement, ça va, ça avance. Une grande caravane marchande venue de loin se présente aux portes de votre forteresse. Leur chef, un homme jovial et corpulent, vous implore avec un étrange accent de bien vouloir lui offrir ainsi qu'à ses compagnons un abri pour la nuit. C'est très bien, laissez l'entrée. Dites-moi en plus sur le royaume mythique d'Hindoustan. C'est ici l'Hindoustan. L'aube se lève et la caravane prépare son départ. Le marchand insiste pour faire un cadeau en remerciant de votre grande hospitalité. Dans une langue étrangère, il crie brusquement un ordre et un jeune homme approche. Cet eunuque va bien vous servir. C'est gentil. Voilà, c'est lui. Norlands, vieille porte, ça se fait pas mal la guerre là-haut dans le nord, donc pour nous c'est avantageux. Ils sont encore satisfaits 5 jours. Ah ben c'est parfait, ça va calmer un peu tout le monde. Hop, tout le monde est calmé. Sauf eux. Mais toi tu vas mourir. %20, bah oui. On se rapproche des 100, donc ce sera pas mal. Il reste réduit à arroser. Il veut 33 pièces, ça va aller assez vite. Après avoir fait pleurer un autre courtisan, le troisième en l'espace d'une petite semaine, la honte s'emparait de moi. Suis-je vraiment une personne cruelle qui aime se faire souffrir les autres en toute honnêteté? J'aime ça. Ou, oh la Vierge Marie, qu'ai-je donc fait là? Je vous en prie de me pardonner.
veux juste deux pièces. Une troisième. On va nettoyer Venise. Wow. Cherche à me tuer. Je peux t'emprisonner, non? Ah bah il va s'arrêter, c'est gentil. Est-ce que je peux quand même t'emprisonner? Oui, mais ça, tout le monde a me déclaré comme un tyran, du coup j'ai évité de le faire. Pas envie de faire de guerre de ce côté-ci non plus. Toi par contre c'est bien, tu déclares une guerre pour Veglia. Nice, félicitations. Tu as tout mon soutien. 117%. Ça va. On se débrouille. Il y a peut-être une autre personne qui pourra m'apporter un plan? Non. 117%, ça devrait passer. Ma réputation est foutue. On pourrait revendiquer Rome. Les gens seraient d'accord. Est-ce que Rome a des alliés? On va regarder tout ça. Je suis surnommé le Terrible. Waouh. Aucun pacte, aucun allié. On va laisser les gens se calmer un peu. Un ancien bourgmestre. Rome serait une belle prise. Tout est à la papauté, donc à ce niveau. Ah non, il y a une partie à l'Italie. Difficile, mélancolique, impressionnable. Va devenir une savante. Si on déclare la guerre à Rome, il faudra déclarer la guerre à l'Italie. L'Italie qui a des pactes avec ses vassaux, mais avec le Saint-Empire également. Pourquoi moins 50? On voit de le duché, désire un siège. T'as pas un siège d'habitude? Lâche la guerre de Varègue. Ça leur fera un entraînement. Peut-être le destin de ceux qui s'opposent à moi. %7, allez, on fait diminuer tout ça. Parce qu'une fois qu'on a diminué, ben, on pourra déclarer la guerre à Rome, vu que ce sera notre prochain objectif. J'étais balafré. Y a pas un partir en pèlerinage, non, dommage. Duché de Croatie, c'est parfait, on va l'avoir. Ils se prennent deux guerres dans la phase. Une de la part de ceux-ci qui veut leur faire payer de l'argent et une de la part de ceux-ci qui veut prendre la terre. Bienvenue. Cours. Mais janvier, tu m'étonnes. On va rechercher ce fameux guerrier, bien sûr. Serait-ce toi? Non, t'as pas l'air. Hein.
Toi, t'as l'air d'être un grand guerrier. Ouais. Je vais te nommer commandant. À la place de lui. Congédié commandant. Hop, et voilà. Un bon guerrier par à nos côtés. On est plus en un épisode de calme, on est en train de restabiliser le royaume. Parce que bah. Hop hop hop, on renverse pas dans le roi là. Oh. Non, c'est bon, 6 étoiles ça passe. Croatie, Serbie, Bulgarie, Géorgie, Constantinople, Sicile et Patriarcat œcuménique un peu partout. D'ailleurs, qu'en est-il de ces guerres à lui? Non, toujours pas. Il se défend contre la Scanie. Il défend les Suédois, what? Je peux rien défendre. Depuis quand les... D'accord, les Danois sont alliés avec eux. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. Tu m'aimes bien? Envoyer un cadeau. Ah, contre qui vont-ils se déclarent-ils la guerre? Contre le Bénévent. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est déjà ça. Pour l'unification de la Sicile. Ouais. Infanterie lourde, on l'améliore. Huit, onze, douze, douze, treize, douze. Quoi? Sensible, timide et impressionnable. Hop, une autre diplomate. Félicitations, tu as converti une région. Tu vas donc être envoyé juste à côté pour convertir la région suivante. Qu'en est-il de ta guerre? 0% actuellement. Nos prochaines guerres, ce sera donc Rome. Et ensuite ici pour reprendre Alexandrie. Mais pour ça, il faut que nos alliés arrêtent de ne pas nous... Enfin, nos vassaux arrêtent de nous détester pour qu'on ait plus de troupes. Parce que 9000 troupes, on va pas aller loin. Regarde si on peut modifier quelques trucs. Ah, papa, les nobles doivent fournir plus d'hommes. Trente-neuf%. Toujours 0%. Il serait temps qu'il meure, hein, parce que là j'ai un complot sur ta face, hein, à moins que tu sois caché. Ah, il est mort. Tu ne m'aimes pas non plus, pourquoi? Parce que je suis Vinciel, je suis Gisélé. Ok. Prochaine zone à convertir, ce sera Venise.
parce qu'ils sont très dérangeants. Guerre contre la France pour revendiquer la Pavie. Donc normal, hein. Mais la France est donc unifiée. Qui est le roi de France? Eberhard de France. Eberhard Carling de France. Carling ont à nouveau pris pas mal d'espace. Mais ça va, on se défend, on se défend. Niveau famille, on se défend. Peut-être temps d'aller attaquer ceux-là, ils vont reprendre le fort. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Vite changer l'intendant. Il n'y a pas de bon intendant. Hop, voilà, toi tu seras le nouvel intendant, t'as intérêt à m'aimer. Protostrator Narsès a mis sur pied un plan visant à expérimenter une nouvelle technologie militaire inspirée par un inventeur et ingénieur supposément brillant rencontré récemment. Tout ce qui manque est un petit investissement financier. T'as intérêt à nous rapporter des points, mon petit. T'as intérêt à nous rapporter des points. Envie de tomber enceinte, toi, non? Toi, t'as pas envie de mourir par hasard non plus. T'as 58 ans quand même, hein. Commence à te faire vieux. Conseil serait contre. Si on déclare la guerre pour Rome, conseil serait contre. Pourquoi, je ne sais pas, mais mon conseil est contre une guerre. Et maintenant? Maintenant, le conseil serait d'accord, mais à 50%. C'est déjà ça. Là aussi, 50%. Donc là, vous l'entendez, c'est la fin de l'épisode. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. Ah ben, char blindé, hein.
50 points en technologie, pas mal. Sur ce, merci tout le monde, merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je lirai avec plaisir. Et on se retrouvera au prochain épisode.